Salut YouTube, bienvenue pour la suite des aventures sur ce petit Spider-Man. On continue, quête principale. Full quête principale, que quête principale. Des nouvelles de Connors? Pas pour l'instant. C'est MJ. Mauvaise nouvelle. La maison de Connors est envahie de chasseurs et il n'y a aucune trace du docteur. Wow. Mais bonne nouvelle, je crois savoir où le trouver. Sur l'autre rive du fleuve. Peut-être vers... Hausmann, nous attend. Et merde. Mais c'est les mecs dans... C'est les mecs dans... Horizon ou quoi, eux? On est dans Starfield? Ça se flingue. J'ai fini puis c'est sorti. Ah ouais, tu t'es tué, c'est cool. Tant que t'as kiffé mec, c'est essentiel. Prends le matos. L'entraînement avec sable m'aura servi plus tôt que prévu. Un zoo? Connors doit pas être bien loin. Il faut que je prévienne Pete. Et où le corps de l'autre? Il a des papes? J'ai des jambes. J'ai des jambes. J'ai des jambes. Est-ce que vous pensez que les rhinocéros, c'est une ref? C'est une rêve, c'est une rêve, c'est une rêve ou pas? Cette fenêtre a l'air ouverte. Putain, mec, je fais R2L2 pour me... imagine, mec, le jeu, il bug. Et, tu sais, genre... elle va sur le rebord et tout, tout va bien, tu sais. What the fuck? Je me dis, mais le jeu, il est bugué, ça marche pas, les gars. Il est où, ce van? Putain, mais c'est une sauvage. On dirait des données génomiques. Ils essaient de réactiver ces gènes reptiliens. Vox, merci beaucoup. Merci pour le prime, bienvenue. Merci, merci. Est-ce qu'il y a un autre truc à regarder? Non, c'est bon. Okay. J'ai l'impression de jouer à The Last of Us. C'est pas mal. Ça fait beaucoup de chasseurs. Après tout ce temps, il va peut-être finir par devenir ce qu'il désire pas. Oh, ils entendent, putain, c'est pas mal, ok. Eh, hey, c'est vraiment pas mal, hein. Cet aspect infiltration, là. C'est leurs aises, on dirait. C'est possible. Il faut qu'ils regardent ouais. De l'autre côté. Tu sais que j'aime pas qu'on se faufile dans mon dos. Merde, je vais le tuer. Je sais pas si on peut compter la fauve dans le jeu. Mais je trouve que la caméra est un peu trop serrée. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais une meilleure vue depuis le toit. On voit moins à gauche à droite. Aïe! De sadif vous affaiblissent progressivement. Si vous êtes touché plusieurs fois, c'est par vous évanouir. Ah ouais, sérieux? Attends, mais c'est une warrior de ouf en vrai. Je pensais qu'elle allait mourir en vrai. T'as absolument rien à faire ici. Je vais devoir t'abattre, mais dignement. C'est moi, je t'abats. Pas Gwen, non. C'est MJ là, c'est Michael Jackson. Il y en a tellement qui ont essayé de le tuer. Mais, j'ai vérifié. J'ai vérifié. Mec, il est trop vénère.
Elle est trop vénère. Vous êtes où, Doc? C'est quoi ce truc? Oh, vautour. Oh mon dieu. Vulture. Vulture. Je dois trouver Connors. Encore une nuit entachée par le silence de la mort. Je n'étais pas sûr de pouvoir lui couper les ailes. Ça a peut-être été ma faiblesse, mais... Non. Même et ça, Cynthia, ça n'a pas suffi à le sauver. Il est mort. Je vais le tuer, il est dans le 1, les gars, non? Dans le 1, j'aurais dû le refaire, je m'en rappelle plus trop, on aurait dû... Téléphone? Et téléphone maison. C'est à Connors. Oui, ouais, ok, j'avais un doute, ok. Tenez bon. Harry, c'est MJ. Je suis dans un zoo abandonné à Jersey, ça... Y'a Caris. Oh non, putain. Pitié. Non. Il est mort, bah apparemment, ouais, je crois. Pitié. Vous comprenez pas. Ils veulent le retransformer en lézard, en fait. Il réactive ses gènes. Il faut qu'on sorte de là. Ouais, Scorpion, il l'a tué, on l'a vu. Ils ont utilisé un code pour entrer dans la cage. Du coup, il a tué Vulture. Il faut des clés pour ouvrir les chaînes de Connors. Il faut que je les trouve. Eh, c'est beau parce que le jeu est quand même diversifié, hein. Les petites missions, elles sont quand même bien diversifiées. Genre, c'est pas que, tu sais, du balançage, boum boum, c'est... Là, genre, c'est ce petit truc, c'est quand même cool, je trouve, en vrai. Allez, MJ. Apprendre un code, voler des clés. T'as déjà fait pire. Kraven s'occupera de sa... Ta gueule! C'est moi qui... Oh. Je te baise! Oh non... Il méritait pas ça. Attends, mais frérot, il a tué trop de monde. C'est pas Vulture, ça, c'est l'autre, là, comment il s'appelle? Crépuscule. 22 degrés Celsius. Mort d'une lame plantée dans le sternum. De toute façon, ça commence par S. Ça a été une belle chasse. Face au Choker. Prédateur. N'a pas essayé de se montrer supérieur. Il s'est battu uniquement pour survivre. Il s'est montré sournois. Ah, c'est écrit. Choker. Sauvage. Sincère. Chokbar. Mais ça n'a pas suffi. Même dans la mort, ses yeux continuent de me fixer. Comme s'il voulait me tuer. Comme s'il voulait me tuer. Ma chance a tourné. Ma chance a tourné. Je suis à nouveau isolé. Ah. Le meilleur, oh que oui. Ah putain, je pensais que c'était dans le jeu. J'ai dit, mais quoi? Ah non, ils sont chiants tous les deux là. Je vais pas vous sucer la bite ailleurs là. Va là-bas toi. Je vais le trouver. Match, ce sont toujours les mêmes animations. Et pas un truc où c'est genre elle plante contre le cul et. Rhinoceros. Ok. Je vais niquer le mec là-bas vite fait. Quoi faire? Docteur Connors? Laissez-moi tranquille. Je vais vous sortir de là. Elle cavale comme si elle était chez elle. Presque l'heure. Raven est bientôt prêt. Depuis le temps que j'attends cette soirée. Attendez, je vais voir. Je pensais que c'était bon. Un code pour entrer. Mais non! Il faut des clés pour ouvrir les chaînes de Connors. Putain, ils abusent. Il faut que je les trouve.
c'est dans l'abus de fou. Qui s'attendait à... Ma gueule. Docteur Connors ? Laissez-moi tranquille. Allons jeter un œil. Oh non. Il ne méritait pas ça. Crépuscule. 22 degrés Celsius. Mort d'une lame plantée dans le sternum. Ouais, je. Mais bon, ils font chier là, de me faire tout refaire là, c'est relou. Bon, faut, du coup, faut vraiment pas qu'on se fasse péter quoi. Oh, c'est bourbé ici un peu. Hein. Ah, c'est par là en fait. Pourquoi je vais aller à gauche moi, ouais. La chasseuse qui a tapé le code ne doit plus être très loin. Personnellement, j'ai assisté qu'à une seule chasse de temps. Souvent, j'en rêve. Celle-là va être spéciale. Ça va être la chasse de toute une vie. Un jour, si je m'entraîne bien, j'espère arriver à son point. Jamais il trouve ce qu'il recherche. C'est trois là, c'est relou. Alors ce sera à nous de reprendre le flambeau. Quand le moment sera venu, je serai prêt. Attendez. Je m'en occupe. En fait, si j'interagis avec le truc, on est d'accord, ils vont me cramer. Un checkpoint. La chasseuse qui a le code est partie par là. Où est-ce qu'elle est? Je peux avoir un checkpoint. Vous je peux faire de la merde, j'ai envie de faire de la merde avec elle. T'as bien caché ton mot de passe quelque part. Tiens ta mère. Utiliser Mangouste. Coucou, bébé. Mangouste. Mangouste. Celui qui se cache derrière ce nom connaît peut-être le code. Mangouste. Je dois juste lui faire croire que je suis Vika. Je vois un truc, les gars, vite fait. C'est ce que je me disais. En fait, je pensais qu'ils avaient pris le même modèle que la... Tu sais, celle dans le jeu, tu vois. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Tes indicatifs radio. Voyons voir... Mangouste, c'est Garine. Host. Bonjour, Garine. Quelqu'un s'était introduit dans le zoo pour affronter le lion avant qu'il soit euthanasié. C'est probablement là qu'ils sont morts tous les deux. De la poésie en Sincarien. Ça doit être sa langue maternelle. C'est quoi le Sincarien, les gars? Pegre Yohir. Quoi le Sincarien? Sincarien parfaitement. C'est la langue d'où? Il n'y en est pas trop rouillé. Si je veux pas me faire démasquer, il faut que j'en apprenne plus sur Vika. C'est du turc, genre? Ah ouais? Ah, c'est un pays fictif. Ok, d'accord, je me dis bien, genre, je comprenais pas, ok. Bien sûr, je suis con, soit je connais pas en vrai, mais c'est, okay, c'est juste...
On dirait un organigramme. Je crois que c'est la bosse de Garin. Quatre... C'est bon pour moi. 4 kills. Ok. 8 chasses. Il te faut ce code. Dips, c'est quoi les dips? C'est quoi les dips? Des turcs, il y en a qui disent depuis des turcs. C'est vraiment un chien. Allez, MJ, ton simcarien est encore. En plus, on dirait du russe. Table. T'as juste à répondre. Et Vika. Vika, Monguznak. Vika, Betek Boj. Garin, Elegem Vana, Hiva Shaipol. Hol Vana, Kakezulekas Kodok. O Kodok, Shorosata, As Informatios, Tablan Van, Tudhotnad. Te pedig as Tudhotnad. Mien Hongon Beselhet Velem. Nehiv Terbet, Nerta Feyet Bek Herulhet. Ah ouais. Elle a pas froid, elle a pas froid aux yeux. Ok. J'ai entendu vaisselle. J'y allais avant qu'ils viennent vérifier. J'ai entendu le mot vaisselle. On doit partir par là, genre. Non, elle veut pas. Ah, c'est par là. Non mais... Michael Jackson, je vais te niquer. Saute. Voilà. Les gars, je crois que j'ai baisé le jeu. Les gars, je crois que j'ai baisé le jeu. Non, je vais pas pouvoir remonter. Oh, j'ai eu peur. Elle est partie à 8 km. Voilà. Non mais oui, je savais qu'il y a le tableau, mais... Les codes de l'enclos. Elle est partie à 8 km. J'ai le code. Il manque que la clé. Attends, c'est quoi? Attends. L'enclos, il est où? C'est l'enclos au rhinocéros. Donc 0451. Non mais Connors, ok. Ok, la clé maintenant. Le zoo qui a fermé après qu'un lion a attaqué un soigneur. Ça, l'histoire. Ah, ça, le sang qui est là-bas, ok. À mon avis, ça doit être pour Kraven, tout ça. Oh, je suis imbécile, je pensais qu'il était parti. Merci beaucoup les gars. J'ai trouvé un corps. T'as rien trouvé du tout. Bonne nuit, hasta la vista. Hasta luego. Quoi? J'étais pas censée être morte. Mais je sais pas canner eux. Ok. Chat, vous avez rien vu, on ferme les yeux. Chat, on ferme les yeux, on a rien vu. Les clés, logiquement, sont de l'autre côté, c'est ça? Presque l'heure. Raven est bien. Depuis le temps que j'attends cette soirée. Hey, ici! Saru, comment elle va? Merci pour les 73, merci Nico pour les 30. Les... Non, les gars, faut que je les sépare aux deux là. Je défie la zone. Y'a R. C'est Gauthier. Le Gauthier n'est pas entaché, je vous répète, le Gauthier n'est pas entaché, terminé. Ils font des expériences avec l'équipement d'Electro. Je ne fais que gaspiller le peu de temps qu'il me reste. Il s'est montré faible de corps et d'esprit. Son équipement me sera peut-être utile. Oh, c'est affreux. Mais Kraven,
Et Kraven est en train de se buffer, mais d'une puissance, il va être impossible à battre, hein, je vous le dis. Ça va être le boss métallique. Regarde tous les deux. Mais fais encore plus de bruit. Et voilà. Parfait. Cet ordinateur contrôle les drones. Fatality! Soit c'est un bug, soit le jeu est bien bugué. Mais non, il est pas bugué, les gars. Le jeu est pas bugué. Calmez-vous, putain, calmez-vous! Mais c'est quoi votre problème? Les gars, c'est quoi votre problème? Vous cherchez des problèmes, c'est ça? Vous voulez que je vienne m'occuper de vous personnellement? Putain, mais tu veux pas prendre l'arbalète? MJ, je t'en supplie, prends l'arbalète! Désactivated. Le chasseur qui a les clés est allé par là. Je me rapproche. C'est gratuit. Oh non, il y a des chiens là-bas. Oh purée de pommes de terre. Genre, il me voit pas là, je comprends pas tant. Cool. Ça c'était vraiment cool. Ça c'était un joli finish en vrai. Ah, tu peux activer le truc, ok. Ah, oh, j'aime bien, et du coup il te repart pas à travers. Putain, mais les mécaniques sont incroyables, les gars. Je pense. Non, mais ce jeu, s'il n'est pas nominé dans les GOTY, je comprends pas, les gars. J'arrête de jouer aux jeux vidéo. On peut partir d'ici. Dire que Kraven sera bientôt là. Il faut qu'on sorte d'ici. Et vite. Les gars, je vais paniquer les autres, on s'en bat les couilles. On se pète. Attendez. Vous devriez être. Tu connais ce monstre? Il s'appelle Kurt Connors. C'est un homme bien. Imagine, elle le tue. Les gars, pour combien elle le tue? Il n'y a pas d'homme bien. Seulement de bonnes proies. Pardon pour le retard. Avec Kraven, il a pas le temps.
ça va? Vous allez bien? Maintenant, oui. Il y a un labo dans l'atrium. On va se... Il y a peut-être un échantillon de sérum. J'ai pas beaucoup de temps. On va vous en faire gagner. Merci de Daos, merci BG. En haut de la colline, le bâtiment en vert. C'est Snake. On vous fera un passage. Cessez la commune. Restez à couvert. Ne vous inquiétez après pas. Une rage de on vous conduit au labo. Vous allez pas vous transformer. Ça y est, j'ai la cible. Il me le paiera. Restez pas là. Vos mères. Le lézard. Ouais, on dirait qu'ils tapent le sale boulot de leur chef. J'espère qu'ils touchent une prime de risque. Tu fais une blague au pire moment. T'as trop vite. MJ, avancez, mais restez baissé. Allez, 2, 3. Ils ont même des animaux de compagnie. Mais arrête toi putain. Avec le plus beau, ça passe vraiment trop vite. Meurtre, sale chien. Tout. La voie est libre. Allez. Accrochez-vous encore un peu. Damn. Kratos. J'ai juste envie de pouvoir fabriquer un antidote avec ça. Il est ici. Oh non. Oh non, ça y est. Là, on dirait, on aurait dit une famous, là. Pas une famous. Tu m'attendais vraiment à mieux que ça. Prototype. Oh, la sauvagerie, les gars. Il se passe trop de trucs. Ouais, prototype, ouais. Je suis là. Tiens-moi. Je vais te sortir d'ici. C'est ça.
Qu'est-ce que vous lui avez fait? Pas du bien. Dis-toi que tu vas pouvoir frimer avec tes nouvelles cicatrices. Ouais. MJ, je crois pas. Je respire encore. Je vais te tuer. Harry! Vas-y, fais-le. Attention! Je pensais que c'est elle qui le tenait. Je sais. C'est les diars, frérot. Je sais. Chut, ça va. Les devs. Je vois plus rien. Avec moi, Pete. Allez, un pied devant l'autre. Allez. Je suis désolé. Merde, attendez. D'avoir été tout le temps déporté. Arrête ça. Regarde, on y est presque. Pete, parle-moi. Encore un petit effort. Accroche-toi. Accroche-toi. Il lui a pété son pouvoir, je crois. Il a le démon. Harry va avoir la haine. Il lui a pété son pouvoir. MJ, sors-le d'ici. Je m'occupe de ça. Oh oh. Oh oh. C'est là que ça commence, les gars. C'est bien dommage pour lui. Quand c'est Venom, les gars, il les tue, je crois. MJ, j'arrive. Voilà, ils sont pas morts, tu vois. Mais je sais que, genre, Venom, en fait, n'a pas de scrupules à tuer, en fait. Merci, Takana. Merci beaucoup. Suis le lézard. Oh, oh la vie. En fait, je sais pas si vous avez entendu. Chat, je sais pas si vous avez entendu le bruit des impacts quand t'es Venom. Les bruits changent, ils sont beaucoup plus lourds, c'est beaucoup plus, il y a plus de basse, tu vois. C'est beaucoup plus impactant, je trouve, quand t'es Venom. Damn. Faites pas cette tête-là, je vais bien.
Je veux bien un peu d'eau. De l'eau, tout de suite. Alors, le costume à soigner, t'as... Ouais. Ça veut dire que sans, tu es... Le retour des chaussures de Texan. Il a plus que ça, mais ce qui n'était pas ses chaussures. Ok. Il faut trouver le moyen de remettre ce costume à Harry. Comment t'as fait pour me le donner? J'en sais rien. C'est arrivé comme ça. Ok. Je vais essayer. Marie-Jane, c'est pas le puits des pieds. Vite, il y a un truc dans ta... Ok, c'est parce que... C'est quoi ça? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Laisse-moi réessayer. What? Allez. Je suis désolé. Je sais pas comment faire. Il faut qu'on trouve le docteur Connors. Le souci, c'est que... Ouais, c'est un méchant reptile pour l'instant. Craven. Le sérum. Il l'avait autour du cou. Il l'a utilisé sur le docteur Connors. Si on trouve ce sérum, on pourrait l'analyser et se servir de cet équipement pour fabriquer un remède. Oui, et rendre sa forme humaine au docteur Connors. Je m'occupe de localiser Craven. Ça m'étonnerait qu'il soit encore au zoo. Heureusement pour nous, il a laissé ça derrière lui. Le doublage français, il est incroyable. Le doublage, la VF, les gars, elle est digne d'un film. C'est... Oh, elle est qualitative as fuck. Vraiment, j'ai vraiment l'impression de... Une nouvelle tenue. Non, c'est quoi? Il n'y a que 8% qui l'ont. Bande de petits joueurs. Prêteur sur gage à Little Odessa, spécialisé dans les artefacts rares, dans le genre de scuto. Commençons par là. Très bonne idée! C'est curieux, mais... Je me sens plein d'énergie! Ça me fait... M'a fait, pareil. Comment ça marche, ce truc? Honnêtement, je peux pas t'expliquer. Genre, pense et... La toile est noire! Ok. Ça m'aidera peut-être à trouver Craven et son sérum. Essaie de pas le laisser poignarder, cette fois. D'accord? Je préfère éviter, en général. Ça va aller. Promis. Ah, la toile est noire, les gars. Tu es toujours payé? Comment ça? Payé de quoi? Tenue noire. Donald Renew a dû se faire plaisir dans les séquences où Peter perd le contrôle face au symbiote. Ah, il se mettait là. What the hell? Noir new generation. C'est quoi ça? C'est le comic, c'est ça? Pas le comics, l'animé là qui est sorti là, le truc. Le film d'animation, ouais, je l'ai pas encore vu. Je sais qu'il y en a deux. Il y en a deux qui sont sortis. J'en ai vu aucun des deux. Merci Dan pour les 5 balles. Merci monsieur. Merci beaucoup Taikana pour le subgift à Tao Smith. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a 8% sur la progression des trophées? Ah, je pensais qu'il y avait que 8% de gens qui l'avaient. Ah, ok. Je suis tellement une merde. T'as pas vu Miles Morales? Si, j'ai joué au jeu. Mais j'ai pas vu les films d'animation, là, tu sais, qui sont sortis, genre truc de Spider-Verse, je sais pas quoi, tout, je l'ai pas vu. J'en ai vu aucun des deux. Mais comme on m'a dit, apparemment, le 2, il est en deux parties. Genre, je vais attendre que tout sorte d'un coup et j'aurai tout d'un coup, en fait, tu vois. Flemme de devoir attendre, en fait, tu vois. Et du coup, est-ce qu'il y a une nouvelle tenue pour Bibi? Oh, tenue menace violette. Oh, elle est jolie, celle-là. Elle est stylée. Par contre, c'est bon où Miles, il a plus de tenue que Peter. Non, c'est pareil. Ils ont pareil.
Son de 5... Ah oui, c'est vrai. Attendez, dans les compétences maintenant, genre je dois avoir... Oh. Let's go. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi le Spider Barrage? C'est... Les gars, c'est quoi Spider Barrage? Parce que moi j'aimais la Spider Ruée. Mec, tu t'accroches tout le monde au mur, c'est incroyable. Ah, c'est le Spider Barrage, c'est ça là, c'est le... Ok, on a quoi là? Attends, c'est quoi le dernier? Voler mais une décharge électrique qui étourdit les ennemis pris dans son rayon. Ouais. Sur L1, un triangle pour lancer une frappe qui regroupe les ennemis et les projette en l'air. Ok. L'un X pour saisir plusieurs ennemis et les tirer vers vous. Ok. Et après ça, on les... Genre, à gauche, on l'a pas. Rallonge la distance parcourue et compte constamment le nombre d'ennemis. Ah c'est... Mais alors, du coup, le... Attends, je comprends pas. Venom. Le Venom, en fait, c'est quoi? C'est l'ulti de Peter? Ou est-ce qu'on l'a tout le temps, Venom? C'est ça la question. Les gars, faudrait qu'on améliore des trucs, là, en vrai. Plus d'HP. Faut prendre des dégâts, déjà. Je peux aussi prendre ça, en vrai. Les gars, je crois que je vais prendre des dégâts en vrai. Genre la vie, j'en ai pas besoin en vrai de la vie. Alors, c'est quoi ça? Des dégâts infligés dans l'air, recrues pendant que vous êtes en l'air, ok. Et réussir une parade contre une attaque ennemie, on recharge partiellement vos capacités. Ça, c'est mieux. Je préfère soulever les mecs. Attends, c'est quoi le reste? Des tests de balancement? Ah non, chat, je voulais ça déjà, je me rappelle. Attends, deux secondes. En fait, ce que je voulais, c'était... Ça. Eh oui, bande de cons, on l'a oublié, ça. Et ça, c'est quoi? On portait des couloirs, 20 cigarettes, plongeons, recharge partiellement le spider saut et le spider sprint. Ok. Ah oui, on a oublié ça. C'est les paires que je voulais, en plus, tout à l'heure. Ok, très bien. Du coup, les gars, on prend les dégâts directs, on est d'accord, hein. Parce que la vie, en vrai, la vie, j'en ai pas tant besoin que ça, en vrai. La concentration... augmente 10% de concentration générée pour les capacités. Marque automatiquement les ennemis. Ouais, c'est pas fou. C'est bien, mais... C'est pas fou, quoi. Dégâts, hein. Dégâts. Je peux aussi prendre ça, en vrai. Oh, comment on va faire mal, les gars! Les capacités rechargent légèrement tous les 10 coups d'un combo. Aérienne consécutive, des avantages de dégâts. Jusqu'à 50% supplémentaires. Toucher le sol remet l'effet à zéro. Ah, merde. Ça peut être cool, ça. Tous les 10 coups, c'est vite fait, 10 coups, en vrai. 10 coups, c'est vite fait, en vrai. Ah, j'ai plus. Merde, putain. Eh, les gars, une patate, je vais tuer tout le monde. En une patate, je vais tuer... Mec, on va m'appeler One Punch Man. Là, je peux pas. Ok. Là, les gars, en vrai, ça va commencer à envoyer du steak, je vous le dis. Tu peux faire des air tricks pour gagner de XP avec carré. Ah, c'est carré, chercher la touche, en fait. Merci beaucoup. C'est carré. Merci, BG. Merci. En fait, j'avais pas la touche, en fait. Et les gadgets, en vrai, on devrait les augmenter, sauf qu'en fait, je vous avouerai que... Je vous avouerai qu'en vrai... améliorer ça. Qu'est-ce que j'utilise le plus, en vrai? Les ennemis avec le lanceur apportent plus de concentration. Tous les trois lancés sur mon adversaire génèrent un rayon dans lequel les ennemis proches se retrouvent entoilés. Putain, c'est mortel. Ça, c'est quoi?
entre l'un et demi standard, à bout portant, le projet en arrière. Ok. Le reste, honnêtement, ça peut être cool à améliorer en vrai. Mais le reste, j'utilise pas vraiment, les gars. Le reste, honnêtement, j'utilise pas des masses en vrai. J'ai pas des masses. Ouais, je sais qu'ils sont importants les gadgets, mais je vous avouerai que je sais pas, je suis plus chaud pour les perks en vrai que les gadgets en vrai. Est-ce que la PS5 souffre quand tu joues? Vous savez certainement que Mac Gargan, plus connu sous le nom de Scorpion, a été retrouvé mort, son dard prélevé en guise de trophée. On peut penser qu'il s'agit souffler, de c'est un grand des mot. Chasseurs. Serait-il même pas, en train quasiment d'accomplir pas. Quasiment en éradiquant ces dangers une fois pour toutes, quasiment pas, les gars. Ce que les incompétents Spider-Man refusent de faire depuis trop longtemps. Quoi qu'il en soit, je pense vraiment qu'on devrait les laisser s'éliminer entre eux. Notre ville n'a pas besoin de ces faux justiciers masqués qui n'apportent rien de bon. Une fois... Quasiment pas, les gars. Genre, en fait, elle est un peu chaude en bas. C'est transo, forcément. Mais sinon, en vrai, non, vraiment pas. Frérot, par rapport à la PS4, rien à voir. Attends, ça marche comment? L1 et quoi? Attends, si pour toi faire du bruit, c'est genre un léger truc. Non, les gars, honnêtement, elle fait aucun bruit. C'est hallucinant. Pour toi, genre. Ça envoie, mais vraiment aucun bruit. Merde, je suis d'accord, ouais. Je retrouve un peu l'ambiance prototype. Les chasseurs, ils n'arrêtent pas de venir ici. Désolé de pas avoir été là. J'aurais besoin de renseignements sur ce vieil objet. Ce truc. Il a bien failli me tuer. Ah, je peux rien pour vous. J'ai déjà vu ce symbole. Allez-vous-en. Attendez, je peux vous protéger des chasseurs. C'est pas eux qui me font peur. Je pensais avoir laissé ça à Volgograd. Les feux ont été allumés. On est dans sa jungle maintenant. Kraven ? Kravinov. Gravis-nous. Les feux ont été allumés. J'utilise la... le tissu. MJ me dit que t'as failli mourir. J'adore ce tissu. Tu vas bien? Miles, je me suis jamais senti aussi bien. J'aurais dû être... Attends, pour de vrai? Je t'assure. Je te rappelle, j'ai des feux de camp à éteindre. D'accord. Tu crois que Kraven sera au festin ce soir? Ce festin, c'est plus pour nous que pour lui. Mais on sait jamais, le rassemblement est important. C'est un rituel qui remonte à la vie. Viens ici, tu vas où toi? Te baisse, viens ici, reste là. Ouf toi. C'est la seule chose qui compte à ses yeux. Non mais, les gars, comparé à la PS4, ça n'a rien à voir. La PS4, frérot, c'est un bordel, le truc. Non, mais là, genre là, je vous dis, les gars, vraiment, c'est... Pourquoi je peux pas accrocher? Non, les gars, je vous dis, la PS5, tu l'entends genre vraiment pas, tu vois. Vraiment pas. Pourtant, du coup, mec, j'ai dû enlever mon casque et j'ai dû me pencher parce que, en fait, mon PC fait plus de bruit que la PS5, tu vois. Pour te dire le... Pour donner un peu un ordre d'idée du truc, quoi.
Il y en a plus que... Attends, ah non, lui. Alors après, attention les gars. Genre, j'utilise très peu... Jados, j'utilise les mousses en tissu. Si je te réponds, je sais pas si t'as vu. Et les gars, attention, pour revenir vite fait en fait au bail de la PS5, je l'utilise très peu. Hein. J'utilise très peu comparé à certains d'entre vous, je pense. Donc c'est peut-être pour ça en fait qu'elle fait pas beaucoup de bruit. Genre, moi, pour vous dire, la dernière fois que je l'ai allumée, c'était pour God of War Ragnarok. Donc, voilà, c'était... Heureux. J'ai rien à voir, quoi. Ah, par rapport au console, ouais, bien sûr. Elise, comment elle va? La dernière, je vais lui mettre un pied-bouche, mon pote. Tiens, voir. Rah, pied-bouche. Qu'est-ce qu'il faisait là-haut? Oh, vodka. La vodka de Volgograd? Je crois qu'ils font un genre de banquet. C'est où Volgograd? Les gars, si vous voulez le gratter, c'est un pays fictif encore? C'est un peu vexant que Kraven n'ait pas pris la peine de m'inviter. Mais bon, je m'arrête pas à ça. Cette fête est encore plus grandiose que ce qu'on avait préparé. Est-ce que je suis pas fluide ouf? Kraven a fini par... Merde. Je l'ai suivi dans sa trace. Chat, est-ce que je suis pas fluide ouf en vrai? Et à chaque fois, ta mère, toi. Mais là, je sens qu'il se passe quelque chose. Alors ce soir, on trinque. Est-ce qu'ils vont le voir, genre? Ah, ils le voient. C'est stylé, en vrai. Je pensais vraiment qu'ils n'allaient pas le voir. T'es en mode... y a rien, tu sais. C'est cool. C'est cool que les PNJ, genre, réagissent réellement, en fait, à ce qui se passe. ZenCon, je pense pas, on la matera. Ah, je peux le faire tomber ça? Attends. En fait, c'est le chien que je veux baiser moi. Oh non, putain, il a levé les yeux. Vous avez un permis de la ville pour faire ce feu? Bon, bah les gars. Non, pas lui, putain, pas elle, non, pas elle qui voulait finir, c'était pas elle qui voulait finir. C'est lui, lui, voilà, nickel. Plus chiant, voilà, nickel, et maintenant on peut s'amuser. Oh non. Gars, en l'air, je fais trop mal. En fait, je mets tellement moins de coups qu'avant. Voyons ce qu'il a mis dans ses... Allez, on éteint le feu, ça suffit. Les gars, je sais pas si vous avez vu comment je mets tellement moins de coups par rapport au début du jeu. Oh, les gâchettes, comment sont dures, les gâchettes. Les gâchettes sont tellement dures, les gars. D'autres produits de luxe depuis Volgograd pour... Caviar... Cet événement... Snake Wine! Pourquoi il écrit Snake Wine? Ultime... Back to... Putain, la truffe noire! Excusez-nous! Prawns, c'est quoi déjà Prawns? C'est les creux... Non, c'est Shrimps, crevette. C'est quoi Prawns, les gars, déjà? J'ai un trou. Putain, bœuf wagyu, ok. Kvass. Non, c'est... Mais c'est quoi prawns, alors? C'est quoi shrimps? C'est quoi shrimps? Les gens doivent arriver près d'ici. Y a pas d'aérodrome ici.
C'est quoi les shrimps du coup? Peut-être sur les docks. Les deux c'est pareil. Il y aura peut-être des indices qui mènent à Kraven. Oh. Oh non, la physique les gars, la physique, je vous en supplie. Non, please, 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 la physique, la physique. Crevette, c'est shrimps. Ouais, c'est, bah apparemment, c'est aussi prawns. Ok, ok, ok. Y'a pas un bail de genre une c'est cuite, l'autre c'est pas cuite? Non? Y'a pas un délire comme ça? Les gars, t'es là, vous êtes prêts? Attends, mais en fait, faudrait que je change de tenue. Parce que je crois qu'en fait, elle se voit mieux. Faut qu'on reste noir. Ok. Me fais pas répéter! Ah, c'est des gambas! Je vous l'ai dit! Tout est là! Où est le reste de notre cargaison? À l'aide! Il a besoin de mon aide! Niveau sup. Ok, say no more. Level sup, say no more. Ah, c'est 2 points ça. Ok. Là, c'est pas ouf en vrai. L'arbre à gauche, il est pas dingue en vrai. L'arbre de gauche, c'est pas dingue en vrai. Tu sais quoi, je garde le point pour Miles, parce que Miskin Miles, il a tellement rien. Je garde le point pour Miles. Quoi, il a fait quoi? C'est pas ce que je voulais faire, les gars. Oh non. Bon bah, let's go, on y va. Ça va être le bordel, les gars, let's go encore. Venez. Non, putain, mais non, mais j'allais les emmurer, putain, mais s'il vous plaît, mais... Putain, mais le jeu ne m'aide pas. Le jeu ne m'aide pas. En fait, je veux les niquer. Beaucoup de chasseurs pour de la vodka et du caviar. Je l'ai trouvé. Monsieur, tout va bien? Sois-moi. Venez, je peux livrer la cargaison à votre chef. Déjà il m'a cramé lui. Dites-moi seulement où je peux le trouver. Spider-Man. Ah mais vous ne m'avez pas cramé. Bon bah trop tard, allez on y va. Là-haut. Lui et moi, on a des affaires à régler. Je le vois. Spider-Man. Allez, vous voulez vraiment pas me le dire? Ok. Je vais pas rester coincé. Oh super, en voilà d'autres. Il est verrouillé. Attention. Il a niqué tous ses potes. Le docker, ils l'ont pas raté, le pauvre. Ah ouais, frérot, en fait... Doucement. C'est tellement vous violent. Vous êtes dans un sale état, je vais vous aider. Ah ouais, Venom, il est tellement violent, en vrai. Oh. Par rapport à Peter, c'est insane, hein. Hôpital. Gigi, ouais, je vais trop cool. Il y en a un, pas loin. Mais je vais vraiment trop bien. Tu devrais améliorer Venom aussi, pour essayer son gameplay. Oui, non mais c'est prévu. Non mais en fait c'est juste que dans l'arbre de compétences, pour vous expliquer, l'arbre de compétences en fait j'ai un peu trop amélioré Peter et trop peu Miles en vrai. Quoique en vrai les deux se valent plus ou moins. Mais c'est vrai que je devrais commencer un petit peu à mettre des petits points là parce que je vois des petits trucs qui je vois des tentacules Kudasai ma bite là. Et du coup je pense qu'on va commencer à mettre des points là-dedans en vrai. Elle a un triangle. Ok, let's go. Y'a Maïté, hein. Tout va bien se passer. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Qu'est-ce qu'ils voulaient? De la marchandise s'est perdue en chemin. Et ils ont cru que je l'avais prise. Y'a Maïté, elle est où? Vous êtes à manger. Bon, où est le point de déchargement? 718 Kent.
Je me demande comment va Harry maintenant qu'il a plus le costume. Hey, hey, mon pote. Il a le démon. Comment tu te sens? Je vais bien. Qu'est-ce qui se passe? Kraven ou Kravinov organise une petite fête au 718 Kent. Putain, les gars. Je pensais y faire un tour. Ça ressemble à une sorte d'assaut. Minute, je suis presque. Putain, alors en fait, il faut que je remette l'assistance. Faut que je mette l'assistance de. De balancement. Parce qu'en fait, sans l'assistance, en vrai, c'est vraiment dur. Mais en fait, c'est plaisant parce que tu peux aller vraiment où tu veux, tu vois, sans l'assistance. Comment t'as le costume, Harry ? Il y en a du monde ce soir. Ah, comment il y a le costume ? Pourvu que notre vieille vie soit là. Ils sont plus nerveux que d'habitude. Te fais pas remarquer. Comment tu concentrais ? Par la cuisine. Sape-toi mieux alors. Le Peter Parker classique, ça passera pas. C'est pas de veine, j'ai laissé mon costard au pressing. Hein ? Je suis un espion. Un speeder espion. Putain, c'est pratique de fou. Eh, hey, tu m'avais pas dit que ton costume pouvait se changer en costard? Ah, ça me l'avait jamais fait avant. Il a le démon encore plus, là. Eh, hey, hey, toi, viens par ici. C'est pour le garde du corps de Monsieur Kravinov. Son garde du corps? Il s'appelle Dima, dépêche. Ah, tu viens de prendre ton service. Ouais. Je te laisse travailler. Il n'y a plus qu'à trouver Dima. Ah, oh non, trop tard, putain, les gars. Oh. 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 Ouais, c'est des carottes ou c'est du chocolat, ça? Non, parce que frérot, tes carottes, elles sont quand même un peu... Un peu vraiment... Oh là 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 là. Ça, tu prends comme ça, tu vois. Comme ça, et rah, tu mets un croc dedans, mec. Quand c'est bien cuit, ça... Je le tue. Je le tue. En vrai, les légumes sont quand même bien faits. Hein. Les laitues, la tomate... Je sais pas si c'est un concombre ou je sais pas ce que c'est. L'oignon. Putain, mais... Ça, c'est la première fois que je vois des légumes aussi bien faits, en vrai. Hein. Ah, mais no joke. Bon, peut-être un peu trop réfléchissant, mais franchement, les oignons, genre, ils sont incroyables. Genre, limite, ça me donne envie de taper dedans, tu sais. Les carottes sont cuites, mec. Hey, mec. Thank you. Les carottes sont cuites, mec. Peter va plus quitter le symbiote maintenant. Il peut se faire des vêtements gratos à volonté. De ouf, mec. Ah ouais, mec, genre, il peut avoir toutes les paires de Gucci, etc. qu'il veut, genre, normal. Oh là, les petites tranches, là, les petites lamelles de viande. Oh là là, les petites côtelettes, là. Qui a faim? Qui a faim, les gars? Moi, je suis un chat, juste vous donner faim, en vrai. C'est mon but, c'est juste vous donner faim, en vrai. Petites asperges, tout ça, tout ça. Alors, je vous avoue que je suis pas fan d'asperges. Je vous avouerai que je suis pas... Ah, non, par contre, non. Non, putain, non, mais... Mais c'était quasiment imperfect, là. Regarde, on reconnaît même la pomme de terre cuite, là, et tout, là. Mais ça, c'est quoi, ça? C'est quoi, ça? C'est soupe.jpeg soupe. Putain, je suis désolé. Là, les gars, le jeu, il perd au moins 5 points. Faut pas dire 10, hein. Attends, il y avait des sandwichs là-bas, je crois, non? Ils sont les sandwichs? Attends, j'ai pas vu des sandwichs. Non, j'ai rêvé? Si, là. Tu vois? Ah, mais les sandwichs sont trop bien faits! Mec, le fromage, le... Tout est trop bien fait! Ils sont trop forts. Ils sont vraiment trop forts. Ils sont vraiment trop forts. Alors lui fait la plonge, costard cravate. Ok, ça marche. Ok, ça marche. On se rappelle, hein. Wow, la viande de bac qui cuit, j'avais pas vu. Je peux faire mieux, pas de choix, sinon ils vont nous tuer. Et allez,
Il fait la plonge costard cravate, le mec. Je me fonds assez bien dans le décor. What the fuck, et je me sens en pleine forme. Comment est-ce que t'as rejoint l'équipe de Kraven? Ça les empêche pas de venir à la cuisine et de menacer de me faire la peau. Ce n'est arrivé qu'une seule fois. Pardon. On est arrivé en avance avec Kraven, faire de son club un bastion. Intéressant comme choix. Ça lui rappelle chez lui. Ah. En fait, la bouffée est trop petite en fait. On voit vraiment mal sur les côtés. Je te brise les os. Je te baise, t'es qui toi? Ragnar Lodbrok. Ça peut pas marcher, une fléchette d'il y a 3 siècles. T'y connais rien du tout. Salut Alex. Arrête. Bah, t'as qu'à me montrer. Je vais te montrer avec lui. Oui. Oh. Tiens-le. Ouais, laisse-le se tortiller un peu. C'est un vieux poison et tu sais même pas comment on sert de ce truc. Non. Le véritable chasseur non. S'adapte. Dors bien, l'ami. Ces chasseurs étaient barges. Et c'est fou que le costume n'ait écouté. Si seulement ma tenue avait sur l'interface noire, je bosserais avec Harry. Je serai un héros et je prendrai des vacances, tout ça à la fois. Putain les gars, c'est Chris Redfield. Même bras. Non, les bras de Chris sont plus gros. Je vous remercie, le V. Le maître d'hôtel près du podium. Le V qui carry. Est-ce que l'un des porte-boucliers est arrivé? Oui, il est à côté, au coin du feu. Monsieur Kravinov sera-t-il des nôtres ce soir? Il reste encore certains. Parfait. En fait, c'est bien l'hôtel, c'est un squat le bail. Kraven n'est pas ici. Porte-bouclier? Ça me fait penser à un garde du corps. Je vais le dépecer, Amon. C'est pas lui ici. Pousse-toi, toi. Hein? Attends. D'accord. Oh, stylé. Ouais, petite interaction. Je me refais pas ou quoi? Eh, j'ai chaud, gros, j'ai chaud, toi t'as chaud? Ok, t'as pas chaud, ça marche. Oh, le tank. C'est quoi, c'est un nom de fou? Votre repas est servi. Oh. C'est quoi, ce machin? On m'a dit d'apporter ceci au garde du corps personnel de Monsieur Kravinov. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est moi? Parce que vous êtes... costaud. Dima est affamé. Je te conseille de partir. C'est drôle. Justement, c'est ce que j'allais faire. C'est cette pièce-là qui regardait. Je dois trouver l'ascenseur. Mais c'est quoi ça? C'est ça le porte-bouclier? Quelle taille doit faire Dima? J'ai trop peur. De faire au moins 1 km. De faire 1 km. Pardon. T'excuse pas, dégage. Oh le. C'est quoi ce bordel? C'est un désastre. Si tout n'est pas nickel, on va se faire tuer. Chaud devant! Non! Attends! Mais ça va pas de rester planté devant la porte? Je t'ai dit d'attendre! Sûrement pas! Bah, tu m'excuses, mais y'en a qui bossent! Allez! Putain, les gars, vous avez un job à faire, les gars, vous avez un job! On ramasse et on se remet au boulot, ok? Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que. C'est, en fait, j'ai l'impression de revoir un Uncharted ou un The Last of Us, tu vois. En fait, c'est un film interactif. Si je trouve Dima. On trouve Kraven et son espèce de sérum de lézard. Facile. Et c'est là où ils sont forts, en fait. C'est là où ils s'en solides sont fortes. C'est qu'en fait, elles arrivent vraiment à te mettre en immersion. Et genre, c'est incroyable. Je pense qu'en vrai, tu peux limite le enchaîner 24 heures de jeu sans problème. Dis, par hasard, tu serais pas... Dima? Ah. Oh. Voilà qui explique le menu secret. J'en connais un qui a l'écrou. Un tigre. D'accord.
remarqué. On va trouver autre chose que du pâté d'araignée pour Dima. Ce steak doit bien être quelque part. Le voilà. Il y a quelque chose qui me conduira à Kraven dans ce bureau. C'est parti. D'abord, je dois virer le tablier. Allez. Ce chasseur est juste là. Un repas digne d'un tigre russe garde du corps. Ah mais ça sonne bizarre. Genre ça c'est un repas. Non mais il est courant que pour un tigre. Modifier légèrement ce repas. C'est un croc. Pas c'est le chasseur qui dort. Il est courant que c'est un croc, genre c'est un une entrée. Ils sont nombreux autour de ce chasseur endormi. J'entoile ce chasseur pour atteindre la belle au bois dormant. Ah mais mec, la muse gueule, je te jure. Chut. Ça reste entre nous. Comme par hasard, tout le monde est retourné, personne ne regarde. C'est un gros dodo, Dima. Toi, Peter, fais pas de bruit. Si ça marche pas, je vois qu'un seul autre plat au menu. Moi. Salut Dima. C'est moi. Je t'amène un petit casse-croûte. Ah mais rapide quand même les flacons. Genre, tu vois, là, si on jouait en fidélité, donc en 4K 30fps, je pense que sa fourrure serait vraiment plus belle, tu vois. Recette spéciale du chef Spidey. Moi. Je pense qu'en 4K, les... J'imagine que Kraven est trop cool pour sa fête. Je devrais fouiller au cas où il aurait rangé le sérum du lézard quelque part. Comme ça, Kraven a un tigre de compagnie. Logique. Moi j'ai une frite pour nous, mais frérot. Non, vraiment, c'est insultant. Comme dirait l'autre, c'est insultant. Non. Comme quand t'as la dalle, tu vas au resto, le mec il te sert un. Genre un demi-truc. Une crevette. Tu sais, t'as une dalle de fou, hein. Ça te lâche une crevette et une demi-pomme de terre. Je lui dis, mais frérot, je suis un fils de pute. Pas de sérum. Ces médicaments sont utilisés pour les chimiothérapies à des stades avancés. Ils sont à Kraven aussi? Les gars, je reconnais ces gants. C'est les gants qui servent... Bref. L'heure est à la prière, c'est avec ses bouts que ma mère ouvrait la chasse. Passer la nuit, survivre la panse et à s'enivrer, pas nous. Pas les Kravinov. Pour nous, la chasse était sacrée comme mission divine. Les prédateurs obligent les faibles à devenir forts. Façonnons le monde, disait-elle. Enfin, genre, je n'ose même pas imaginer la mère de Kraven, putain. Elle doit être, genre, mastoc d'ouf. Je me dis, dans notre chapelle, à la lueur des cierges, nous partageons le pain. Laissons l'excitation à nous prendre aux tripes, prêtes à honorer les ancêtres dont le sang coulait dans nos veines. Bien qu'elle nous ait quittés, je perpétue la tradition. Les feux ont été allumés, la chapelle apprêtée. Ce soir, je prierai. Je l'espère pour la dernière fois. La chasse est ouverte. Et si je n'en reviens pas, j'en serai heureux. Damn. Il est charismatique, Kraven. La chapelle apprêtée? Sainte Sophia n'est qu'à quelques blocs. Kraven y est sûrement avec le sérum. En route. Aucune trace du sérum du lézard ici. Mais c'est quoi? Toutes ces potions. Je me demande si c'est ça qui le rend aussi costaud. Ah bah ouais, ça boit full popo. C'est normal, il est cheaté, ce con. Il est full drogué. Qui eût cru que la chasse était aussi existentielle? Il a des lectures plus sérieuses que j'aurais imaginé. Rien de mieux qu'un peu de philosophie entre deux chasses.
En même temps, les gars, Kraven, il est full drogué. C'est normal, il est archi fort. Ce con, il... Oh. Quand il était bébé, sa mère, elle a dû lui donner genre des full shots de testo. Je l'ai loupé de peu. Est-ce que Kraven priait? C'est moi, Sadaron. Sergei Kravinov, Sacha Kravinov, Medrozy, Anastasia Tatiana Kravinov, Vladimir Kravinov, Anna Kravinov, Nikolai Kravinov. Mais c'est quoi les noms qu'il a rayés? Eh, c'est écrit en français. Né, Alexandra. Eh, c'est écrit en français, c'est trop bien. Ouf, il s'est traduit... Né Anna Makura. Makarua, pardon. Et là, Né Alexandra Miku. Putain, c'est stylé, ouais. Ils ont fait l'effort de traduire ça, c'est cool. C'est good. Et on y va. Oh, t'es pas aussi effrayant que t'en as l'air, toi. Sérieux, blague. Mais les gars, il s'appelle Sergei, les gars, je vous dis, c'est vrai. Dima. C'est parce que tu crois, chérie? Parce que tu crois, chérie? Oh non, les problèmes. Gardez-le en vie. Okay, costume. Fais voir de quoi t'es capable. Ah, j'avais raison. Wow, Harry m'avait pas dit qu'on ressentait ça. Sémiotique booste de manière significative la puissance de vos attaques lorsqu'elle est active. Vous pouvez la déclencher lorsque votre jauge de surcharge sémiotique est pleine. Ah! Et c'est là où t'invoques Venom, ok, j'avais raison en fait. Les gars. Ils sont tellement forts! Non, tu n'es pas ça. C'est exactement comment j'aime me battre. Ah, j'ai pas vu. Désolé, je viens mettre fin aux réjouissances. Les yeux sur la cible. Rien.
foncer à la chapelle. Bon, bah j'ai kiffé moi. C'est bien incroyable. Wow. Tu vois, c'est là où Peter l'aurait... Ça me ressemble pas à ça. Voilà, tu vois, c'est là où Spider-Man l'aurait épargné, en fait, tu vois. Mettez de la glace. Mettez de la glace et massez-vous 3 fois par jour. Ça ira bien. Hé, Pete, ça donne quoi? Aucune trace de Kraven. Mais je crois savoir où il est. Alors, ce costume? Trop bizarre. C'est comme s'il me connaissait. Ne tracasse pas, va. Je vais m'occuper de tout. C'est promis. Eh, hey, la pluie est vraiment bien branlée, hein. La pluie est bien branlée, quand même. C'est calme. Branlée, bien faite, bien faite. Je te rassure, je veux branler personne. Ok, j'ai mes toiles. Oh, c'est toi! J'avais bien senti qu'il se passait quelque chose entre nous. Un boss? Premier boss, genre du jeu? Ah, trop cool! J'adorerais apprendre à te connaître, mais j'ai des affaires urgentes à régler! Ok, lui, du coup. Attends, fais ça. Tiens, faut que j'apprenne. Désolé, je suis mort, mais. Ça compte pas, parce qu'en fait, je veux voir, est-ce que je peux contrer toutes ces attaques ou est-ce qu'il faut que je les par. Est-ce qu'il faut que je pareille? J'adorerais apprendre à te connaître, mais j'ai des affaires urgentes à régler. Attention. Le problème, c'est que votre chef est en train de préparer un mauvais coup. Il se lance comme une micro-IEM. C'est ma ville ici, pas sa jambe. Oh merde. Il a tué Scorpion. Libérez le lézard. Mal. Et en plus, il m'a mis un coup de couteau. Mal. J'ai deux mots à lui dire, en particulier sur ce dernier point. En voilà d'autres. Mal ça. Mal ça aussi. Allez, fais-toi. Fais-lui payer. C'est tout ce que t'as? Ça va viser. J'aime pas ça. Les gars, je peux changer de truc ou pas? J'aime pas ce truc de Venom. Ma capacité, c'est ça? L'autre en vrai. Je vais faire ça, la tornade. Parce qu'au moins je peux les coller directement. J'aime pas trop le... Comment ça s'appelle? La frappe symbiotique. Ah parce que je crois qu'en fait elle est pas améliorée, c'est pour ça. Fais voir en fait la frappe symbiotique. Ah ok. Donc en fait en gros pour Peter en fait t'as l'équivalent de toutes les attaques que t'as, genre L1 carré et tout, mais du coup, côté symbiote.
Et du coup, ça te remplace en fait absolument toutes tes attaques. Sauf que, ouais, je sais pas. Moi, je suis pas fan de ça là, de ce truc là, je suis pas fan. Ouais, je suis pas fan. Je vais vers une autre. Ah, je l'ai ? Ah, je l'ai, jure ! Ah, je savais pas, merci beaucoup. Allez, c'est fini. Allez, c'est fini, mes gars. Allez, les gars, c'est fini. Tu peux tirer ! Non mais, putain mais c'est ton Spider-Man, tu peux viser celui-là. Spider-Man, je te supplie, elle en haut, merci. Purée. Non mais, c'est ma gueule elle. C'est possible. C'est ma gueule, je la bute et elle reçoit son mien en haut. Terminé la fiesta. Je viens te chercher, Kraven. Ok. Merci Zinx, merci pour le rappel. Merci aussi à Flight Jordan. J'avais zappé l'ulti. J'ai dû l'utiliser pour le boss. Je suis le coursier du Dr. Connors pour le sérum. Hélène, ce que je fais, t'inquiète ce que je veux. Je les garde pour les ennemis relous avec les boucliers, les très gros et tout. Pris en chasse. Bon réflexe. Voyons si tu as la force de finir ce que tu as commencé. C'est le boss final ? Non. C'est vrai que le son ça perturbe Venom. Pourquoi tu ne la libères pas? Je veux juste sauver mon ami. Il a dit machallah. Mais je trouve que, en fait, quand il est en Venom, il est pas assez brutal. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que ça a été un peu. Ça a été un peu soft, quoi. Ça a été un peu softisé, si on peut dire ça comme ça. En fait, je m'attendais vraiment à un truc plus. Harry, MJ, tu vois, plus glauque, tu vois. Je suis en route pour le MF là. Comment ça s'est passé? Super. Ça a été un peu intense avec Kraven. Il est encore plus fort qu'il en a l'air. J'aurais jamais cru ça. Eh, hey, tout ce qui compte, c'est que tu sois indemne. Et que tu as le sérum. Elle était super elle. Boulot. Je vais préparer le matériel. C'était comment en vrai? Ça a été totalement. Je voulais pas inquiéter. Maintenant, Kraven sait que le costume déraille à proximité de certaines fréquences. C'est quel genre de problème? Pas très agréable, mais rien d'insurmontable. Bon, je suis soulagé que t'ailles bien, mais fais attention à toi. Tu me tiens au courant de la situation au labo? Carrément! À plus tard!
chasseur. Le héros est là. Eh ben, on a des petits soucis de camouflage aujourd'hui. Baissez-vous. Oh, ça fait du bien. Vous laissez pas avoir. Mais c'est tellement bugué ce con. C'est tellement bugué ce con. Tiens, ça me rappelle que j'ai pas fait la mise à jour de ma tenue. Y a pas un truc. Généralement en fait dans les Ah, attends, c'est quoi ça? Ah non. Généralement en fait il y a des caisses ici. Dans les sur les toits comme ça en fait généralement. Où ils se posent. Oui, ah oui, carré l'air. Regarde, fais voir. Je vais essayer ça avant d'aller dormir. Avant d'aller manger, fais voir. Ok. Le let's play commence maintenant les gars. Spider-Man dans ce ballerine. Attends, il y a combien de figures? Il y en a que 4 du coup. Chat, il n'y a que 4 figures, ça. Droite, gauche. Le jeu, il a l'air incroyable. Frérot, je vais te dire un truc. Ok, les amis. Zilou. Tout le monde sur les réseaux sociaux. Il a pas l'air incroyable. Il est incroyable. Ne parle que de Jersey. Un feu dans l'ancien zoo. Une base. Gotti, secrète des je sais pas. Et Spider-Man. Je sais pas quand finit le jeu, je peux pas vous dire, mais. En tout cas, c'est hallucinant. Les gens adorent ce nouveau look en mode Black is the New Black. Ils le trouvent carrément plus classe, mais... Le jeu, il est incroyable. Vous utilisez tout pour notre araignée sympa du quartier? Non? Quoi, je suis vraiment la seule à penser ça? Le jeu, il est incroyable, les gars. Oh, bah, pas de soucis. Moi, je dis ce que je pense. Ce que vous aimez chez moi, non? Et là, vous êtes servis. Quoi qu'il en soit, faites attention à vous. Combien d'heures de jeu? Je sais pas si on peut voir ça sur Ah si, tu peux voir ça ici, si je save en fait, c'est ça. J'ai... Ah non. Paramètres? C'est quoi raccourci? Tu peux mettre quoi comme raccourci? Oh! Ah, mais sur PS. Ah, pardon, ok, merci. Merci les gars. Et après, je vais où? Ah, je reste appuyé. Ah, 11h. Okay. Ah, c'est cool, ils le mettent ça. 11h de jeu, les gars. 11h de jeu. 11h de jeu, ouais. Et c'est quoi ça? C'est une des missions principales du jeu. Ah! Ah, c'est cool qu'ils mettent ça. Parce qu'en fait, j'allais vous dire, mais du coup, comment on fait pour savoir par rapport à la quête principale? Et du coup, on a fait la moitié. On a fait un peu plus de la moitié. Ok. Ok. Bah écoutez, on est fixé. Putain, c'est bien. Combien on va dans le jeu? Comment on revient, les gars? Comment je... Ah. Les gars, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. Ils sont encore dehors. Après 11 heures de jeu, je m'éclate encore de fou. Oh, vous avez perdu vos clés? Ça m'arrive tout le temps à moi. L'heure est venue, Spider-Man. Hop, pas de port encastré. Quoi? Allez, venez. Ignorez les bandits. Spider-Man est la cible. Super! Je me demandais si on pouvait un peu corser les choses. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal! Mais baiser tous les trois là ou quoi? Allez, tous les trois contre le mur.
sont emmurés, les gars. Je ne rate jamais. Allez, va, fils de pute. Voilà. Ah merde, j'ai pas fait le truc. Elle faisait des parades, j'ai bon, pas fait. J'espère qu'il n'y a pas d'autres chasseurs camouflés dans le coin. Non. Bon, parfait. Ça va ou quoi, les gars? Tranquille. Bah ouais, vous mettez... Ouais, les gars, vous mettez des coups de couteau aussi. Est-ce que tu veux qu'on réalise le baiser qu'on avait fait avec Mary Jane? Bien. On peut pas, merde. Oxulap, merci BG. Merci pour le prime, bien vu. Tu live sort. Oh ouais, sort jeu d'horreur, les gars. Sort jeu d'horreur et demain on continue Spider-Man. Ou peut-être qu'on fera peut-être ce soir des petites missions secondaires ou quoi, tu sais, histoire d'avancer chill. Mais on garde les quêtes principales pour demain, les gars. On garde les quêtes principales pour demain. En fait, la nuit c'est cool parce que la nuit, en fait, tu vois mieux les. En fait, pourquoi j'adore jouer de nuit? Parce que la nuit, les gars, en fait, genre, d'ailleurs, je vais save. Et je vais continuer ça demain. Enfin, je vais continuer ça, je pense, ce soir en. Vu que je vais sûrement me réveiller encore à 6h du mat. Je vais save. Et en fait, la nuit, c'est cool parce que la nuit, en fait, tu vois mieux les coffres, etc. Tu sais, les coffres bleus, les coffres jaunes. Les trucs de tech, là, tu les vois mieux. Donc, je vais faire ça cette nuit. YouTube! Attention à vous, prenez soin de vous. J'espère que vous avez kiffé. Petite 1h30 d'épisode. C'était quand même cool. On a bien avancé un peu dans les quêtes principales, c'est sympa. Là, on a quoi? Est-ce qu'on a des trucs qui sont débloqués? On a encore trois trucs déverrouillés à gauche. Hein. On sait pas ce que c'est. Hein. Trois trucs déverrouillés encore. Non, on a encore deux trucs déverrouillés ici. Là aussi. Donc, du coup, là, je pense qu'il va falloir qu'on. Ouais, on avance un petit peu tranquillement, quoi. Faut qu'on continue la quête principale pour débloquer ces fameuses activités, tu vois. Affût de chasseur. Ah, c'est nouveau, ça, les gars, non? Ou je les ai déjà fait? Affût de chasseur, c'est quoi, affût de chasseur? Ça me dit rien. Ah, Spider-Bot, ok. Ok. En vrai, les gars, je vous dis la vérité, les trucs verts là, les trucs de mystérieux là, genre. Pff, un peu flemme. Très honnêtement, un peu flemme de ouf. Faut qu'on fasse la flamme aussi. Pas la flemme, la flamme pour le coup. Mais en vrai. Ah oui, faut qu'on fasse aussi des activités de Miles dans son lycée. Faut qu'on fasse ça aussi. Il y en a trois là. Mais honnêtement, là, les yeux verts, les gars, flemme de ouf. Hein. Vraiment flemme de ouf. Vraiment flemme de ouf. Le remaster de MGS. On verra si on le fera, on verra si on a le temps de le faire. En fait, il y a beaucoup de jeux qui arrivent là, malheureusement, là, cette fin d'année. Du coup, on verra. YouTube, des bisous. Attention à vous, prenez soin de vous. A très vite pour la suite des aventures sur Spider-Man avec. avec The Batman. Des bisous, passez une bonne journée, bonne soirée. A très vite pour la suite des aventures. Passez nous voir sur Twitch, vous êtes bienvenus. Vous avez le lien dans la description. Ramenez-vous si jamais vous voulez chill. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao YouTube, bisous.